Bienvenue à ce guide vidéo qui vous aidera à déverrouiller 4 succès faciles dans Call of Duty Modern Warfare 3. Avant de commencer, je vous conseille fortement de sélectionner le mode de difficulté le plus facile. Question de simplifier les choses. Le premier succès peut être débloqué dans la mission Persona non grata. Rendu au moment où vous contrôlez l'engin téléguidé, tirez les hélicoptères ennemis avec votre lance-grenade. Vous pouvez tirer les soldats avec l'arme de votre choix, mais les hélicoptères doivent être éliminés exclusivement avec des grenades. Après avoir fait exploser les 4 premiers hélicoptères et un tout dernier un peu plus tard dans la mission, vous avez déverrouillé le succès « Ce qui monte ». Le deuxième succès peut être débloqué dans la mission « Turbulence ». Rendu à la séquence qui se déroule en apesanteur, vous devez tuer 5 ennemis pendant que vous flottez dans les airs. Si vous ne réussissez pas du premier coup, vous pouvez toujours recharger le dernier point de sauvegarde automatique. Une fois les 5 ennemis éliminés, vous avez déverrouillé le succès « Personnel de bord ». Le troisième succès peut être débloqué dans la mission « Reprise de service ». Rendu à la séquence du tir au mortier, vous devez éliminer les cibles avec seulement 4 tirs. Attendez que les cibles s'immobilisent et faites-les exploser. Dans le village, il n'y a que des ennemis. Si quelque chose bouge, tire au mortier! Continue de tirer au mortier! Ça suffit pour l'instant! Vous avez déverrouillé le succès pour qui sonne le glas. Le quatrième et dernier succès peut être débloqué dans la mission « Livraison Express ». Rendu au moment où vous voyez un hélicoptère déployer des soldats, lancez une grenade fumigène en dessous de ce dernier. Vous devez simplement viser les cordes avec votre grenade. L'attaque du AC-130 devrait faire exploser l'hélicoptère. Vous avez déverrouillé le succès « Danger proche ». Vous pouvez me suivre dès maintenant sur Facebook et Twitter. Les adresses sont dans la description du vidéo.